Je vous invite le 27 janvier 2022 de 18h30 à minuit pour la nuit des idées et nous allons avoir un dispositif assez amusant. Alors, parmi les invités, nous commençons à 19h avec François Durper, historien. Ensuite, 19h30, François reste et on est rejoint par Géraldine Mühlmann, philosophe. Voilà. Ensuite, nous avons Sophie Vanhish. Donc, François s'en va, Géraldine reste et Sophie Vanhish nous rejoint à 20h, philosophe historienne. 20h30, 21h30, encore quelqu'un de nouveau. Elsa Godard à 21h, etc. Jusqu'à mon dernier invité, Philippe Corcuff, philosophe politique. Et donc, à 22h30, jusqu'à 23h30. Donc, vous avez compris, toutes les demi-heures, un invité s'en va et toutes les demi-heures, un invité entre. Voilà, tout simplement. Pour préparer cette nuit des idées, pour avoir du grain à moudre sur ce thème, reconstruire ensemble, eh bien, je vais vous demander un texte ou plusieurs textes, mes amis. Des textes assez courts que je puisse afficher simplement à l'écran, et je vais les afficher et les lire avec mes invités. C'est à cette adresse courriel que vous pouvez m'envoyer pour le 27, donc avant le 27, s'il vous plaît, je sais qu'il y aura des retardataires, mais essayez de m'envoyer ça le 26 au plus tard. Des textes sur ce thème, reconstruire ensemble. Qu'est-ce que ça vous évoque, reconstruire ensemble? Prenez des angles différents, faites des textes intéressants, travaillez-les, posez des questions, conceptualisez, illustrez ce que vous avancez, démontrez-le, essayez d'être argumentatif dans ces textes. Vous pourrez également venir en live. On peut être quatre à l'écran et j'ai donc deux invités à chaque fois avec un tuilage comme ça de rendez-vous où chaque demi-heure un invité part, un invité rentre et chaque invité reste 1 heure. Et donc, vous pourrez vous inviter vous en vidéo. Alors préparez-vous, faites-vous beau, faites-vous belle, préparez vos écouteurs, préparez votre vidéo, mettez Google Chrome car c'est cette technologie qui permet de se connecter et comme ça vous allez pouvoir dialoguer avec mes invités.